C'est à vous. Je crois que je n'ai pas de questions prévues avec vous, mais je vous en poserai peut-être par la suite. C'est gentil. D'abord, merci beaucoup de nous avoir invités. Le chef d'état-major des armées n'a pas pu venir. Il est un peu occupé, comme moi aussi d'ailleurs, un petit peu en ce moment. Vous imaginez bien que gérer les opérations des armées a quelques petits impacts sur mes heures de sommeil et mon agenda. Mais pour drafter et répondre un peu à la question malgré tout qui est posée de la stratégie des armées, on voit bien, et c'est la vision stratégique qu'a posée le CEMA, qu'on est passé d'une période de paix, crise, guerre à ce que le CEMA appelle aujourd'hui la compétition, la contestation et l'affrontement. On voit en Europe le retour de la guerre sur le sol. C'est une situation qui, même si elle a pu nous surprendre, en fait, était décrite, pour ceux qui veulent bien relire les livres blancs successifs sur la défense nationale. Ce retour de la compétition entre les grands compétiteurs, comme on les appelle, ce retour de la guerre en Europe était quelque chose qui était envisagé par les armées, même si c'était évidemment pas souhaité derrière. Souvent, d'ailleurs, on regardait ça de manière assez lointaine et, si je me permettais une petite pointe d'ironie, assez hautaine, c'est-à-dire qu'on était assez peu écouté sur ce sujet-là. Alors la compétition, c'est ce que l'on estime être aujourd'hui l'état normal des relations internationales, très clairement. C'est renforcé par une vraie désinhibition des grandes puissances derrière, qui n'hésitent pas en fait à faire des manœuvres d'intimidation et à imposer des faits accomplis. On en voit un peu partout dans le monde. La contestation, c'est quand cette compétition exacerbée en fait monte en une espèce de conflit larvé. Et alors on voit ça, cette contestation, beaucoup dans ce qu'on appelle les espaces communs, le cyber, l'espace, les fonds marins de manière générale, et aussi dans le champ informationnel, où on voit la propagande revenir sur le devant de la scène, la manipulation de l'information de manière très très large. Et nous, armée française, évidemment, on voit ça se développer, et on voit ça tout particulièrement dans la bande sahélienne, aujourd'hui au Mali. C'est ce qu'on appelle le soft power, pour une partie. En tout cas, très clairement, la propagande, la désinformation sont des choses qui font maintenant partie de notre quotidien. Il y a un exemple qui est assez récent au Sahel, c'est La rétrocession de l'emprise de Gossi, à fait, où nous avons fait face à une manœuvre de désinformation de la société militaire privée Wagner, qui avait organisé une espèce de charnier sur le côté. Mais comme nous avions anticipé cette désinformation... On a filmé tout ça avec un drone, et donc on a été capable de démontrer la manipulation de l'information de ce compétiteur. Donc c'est quelque chose qui est vraiment extrêmement important. Et évidemment, quand on parle dans le troisième triptyque, l'affrontement, évidemment, il y a l'Ukraine, on va revenir un peu plus dessus. Mais au-delà de ce triptyque, il faut bien voir qu'on fait face à différents types de stratégies. Donc on parle beaucoup des stratégies hybrides qui visent justement à aller un peu dans tous les intervalles de là où on se positionne. Il y a aussi les stratégies de seuil, en fait, qui jouent sur l'ambiguïté de la position de l'adversaire et sur la difficulté d'attribuer quelque chose à un adversaire, ce qui empêche ou qui limite un peu la réaction de ce qu'on peut faire. Et enfin, on fait appel à des stratégies de long terme. Et ça challenge un peu notre résilience. On a l'habitude de réagir très vite. Mais quand il s'agit de réagir sur le temps très très long, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, en fait, on fait face à ça, évidemment, en Afrique, en Europe. Mais c'est vrai un peu partout. C'est vrai en Méditerranée. C'est vrai dans le golfe arabo-persique. C'est vrai jusqu'en mer de Chine, dans les îles Salomon, etc. Alors, si je dois revenir sur l'Ukraine, pour tirer quelques enseignements, il y en a d'abord... il y en a différents niveaux. Au niveau stratégique, c'est le retour des grands compétiteurs. On en a déjà parlé, mais malgré tout, c'est une réalité. On les avait un peu écartés de la copie. Et c'est le retour de la puissance militaire pour régler les différends entre États, avec un vrai risque d'escalade. Ce qui était un peu maîtrisé autrefois par l'ONU l'est beaucoup moins aujourd'hui. Et cette capacité d'escalade contraint en fait beaucoup et le militaire, mais également le politique, dans sa liberté d'action et dans sa capacité de réagir face à ce qui peut nous arriver. Et alors j'avais entendu une analyste à Berlin lors d'un colloque qui disait qu'en fait, on est passé dans un monde qui s'est régulé par le Confrontational Security Order, pour dire qu'en fait, la régulation de l'ordre international ne se fait plus par l'ONU, mais par la confrontation. Et que finalement, les grandes puissances trouvent plus efficace d'aller à la confrontation que de passer par un passage à l'ONU derrière. Bon. Donc derrière, pour nous,
L'Ukraine, évidemment, est une rupture, c'est certain. Donc la Russie, très clairement, s'est dévoilée, en fait, a dévoilé ses cartes, a dévoilé son jeu en Ukraine. Sa manœuvre, très clairement, va changer les relations internationales et pour un bon bout de temps. Et il ne faut pas oublier que si nous sommes évidemment contre cette situation, la Russie a conservé aussi beaucoup de soutien dans le monde. Tous les pays du monde n'ont pas condamné l'agression russe. Et notamment l'Inde et le Brésil et la Chine. Le Brésil, un certain nombre de pays, quand on regarde dans la carte du monde, beaucoup de pays soutiennent encore la Russie. L'OTAN a très clairement conforté sa légitimité en se rassemblant derrière les États-Unis. Les États-Unis rassemblent les nations occidentales, mais essayent de rassembler beaucoup plus large. C'est la fameuse conférence de Rammstein où ils essayent de rassembler pour soutenir l'Ukraine. La Chine, qu'il ne faut pas oublier comme un acteur dans cette affaire, regarde ça d'un peu plus loin, mais elle manœuvre. Et elle manœuvre pour être en position de force le jour où tout ça va s'arrêter, qu'elle puisse peser sur le nouvel ordre mondial ou sur la nouvelle manière de réguler l'ordre mondial derrière. Et enfin, l'Union européenne. L'Union européenne s'est découverte un peu puissance, à toucher du doigt que c'était une puissance à la fois économique et une puissance politique. Mais comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, on a aussi touché les limites du système, ou plus exactement quelques lacunes ou prises de conscience d'un certain nombre de dépendances. Et donc on a des marges de progrès, et c'est sur ces marges de progrès qu'il faut qu'on travaille. Donc si je dois tirer quelques enseignements à chaud, la première, c'est que c'est l'affaiblissement du multilatéralisme. En fait, on avait un concept, j'allais dire que la globalisation, si on voulait synthétiser, c'est évidemment, vous allez tous me critiquer là-dessus, mais on pouvait dire que la globalisation, c'était la sécurité pour tous par l'interdépendance économique. Ce concept-là est mort, définitivement. Et donc, là où on cherchait de l'efficience partout dans le monde, il va falloir rechercher de l'efficacité, peut-être un peu plus proche de nous. Et ça change assez fondamentalement la manière dont on travaille sur les sujets. Le deuxième enseignement, c'est effectivement la guerre de haute intensité en Europe, à 2 heures de vol de Paris, avec les technologies du 21e siècle. On parle d'hypersonique, on parle d'un certain nombre de capacités de guerre électronique, etc. Et dans des modes d'action qu'on imaginait remis aux oubliettes, hein, c'est l'artillerie massive derrière, c'est des batailles de blindés, qu'objectivement on n'imaginait pas revenir de sitôt. C'est la destruction d'infrastructures civiles, c'est la violence contre les populations, c'est la destruction de bateaux clés en mer Noire. Donc c'est véritablement un retour en arrière, ou en tout cas sur des modes d'action qu'on avait un peu remisés. Le troisième enseignement, on en a déjà un petit peu parlé, c'est les forces morales. Très clairement, les forces morales, je regarde l'heure, mais les forces morales ukrainiennes nous ont véritablement bluffés, et tout le monde en est pleinement conscient. Mais ça montre bien que la réalité... On a besoin des forces morales, mais que les forces morales reposent évidemment sur, une part, les militaires, mais surtout sur la nation. Et la capacité à faire nation, la capacité à embarquer l'ensemble de la nation dans un conflit de ce type n'est pas quelque chose de simple. Il y a un vrai rôle politique à mener derrière pour rassembler la nation et être capable de mener tout ça. Et ça rejoint évidemment la discussion qu'il y a eu sur l'économie de guerre et sur la capacité finalement à soutenir l'effort de défense ou l'effort de la nation dans le conflit. Et donc là, si j'avais juste une question à poser, c'est « sommes-nous prêts ?» Alors je crois que c'est un peu l'objectif d'y réfléchir derrière. J'ai malheureusement eu une réponse qui n'est pas complète. Allez-y, vous avez le temps. Objectivement, on a encore pas mal de marge de manœuvre dans ce domaine-là. Et notamment pour reconstituer un certain nombre de stocks ou notre capacité qui, encore une fois, était drivée par l'efficience, et qui donc a renié toutes les marges de manœuvre de l'efficacité recherchée. C'est collectif tout ça comme erreur, mais il faut qu'on en tire une conséquence. Le quatrième, d'autant qu'on livre des armes à l'armée ukrainienne, et notamment de canons César. D'ores et déjà, il y en a 15-20% qui sont entre les mains de l'armée ukrainienne, ou en voie de l'être. Tout à fait. Tout à fait. Donc la capacité à reconstruire derrière, la capacité à augmenter la production rapidement, ça pose en fait... toute la question de l'épaisseur de notre base de défense, base industrielle de défense derrière,
qui aujourd'hui, et il faut le reconnaître assez volontiers, dans toutes les lois de programmation militaire, on a tiré à chaque fois sur le plus petit dénominateur commun pour dire il faut maintenir la ligne de production avec le minimum. Bon, et là, en fait, on se rend compte qu'on a besoin de pouvoir monter très, très rapidement en gamme. Et c'est quelque chose qui doit maintenant s'adapter très clairement pour faire face à ce à quoi on fait face. Le quatrième enseignement, la bataille des perceptions. On l'a vu tout à l'heure sur ce qu'ont fait les Ukrainiens. On a véritablement, c'est absolument fondamental, être capable de tenir la dragée haute du dialogue et de la communication stratégique. Objectivement, le président Zelensky marque ça de manière remarquable du côté occidental. Mais là aussi, il ne faut pas oublier que la communication stratégique russe se développe et rencontre son auditoire un peu ailleurs dans le monde. Et donc c'est quelque chose. Notamment en Russie d'ailleurs. Notamment. Et je vous recommande l'enquête exclusive qui a été diffusée hier soir, qui est La guerre en Ukraine vue de Russie, si vous ne l'avez pas vue, à revoir en replay. Excellent documentaire. Non, tout à fait. Et c'est. On dit beaucoup sur le poids de la propagande en interne. Et la capacité de résilience du peuple russe. Oui, et la capacité de résilience du peuple russe, et puis la capacité à produire des argumentaires et un narratif dans les pays du Sahel, dans les pays du Golfe, dans différents pays un peu partout, où finalement leur narratif porte. Mm-hmm. Et où on entend quand même un certain nombre de pays dire c'est pas totalement illégitime. Bon. Le cinquième enseignement de cette grande guerre en Ukraine, c'est que dans les conflits de haute intensité, on n'ira pas seul. C'est-à-dire que nous avons des forces armées qui sont créées, designées et entraînées pour travailler en coalition. Mmh. Alors évidemment, on travaille en coalition au sein de l'OTAN. C'est vrai pour nos avions qui aujourd'hui volent au-dessus de la Pologne, au-dessus de l'Estonie. C'est vrai pour l'armée de terre qui est en Roumanie aujourd'hui déployée en Estonie également. C'est vrai pour la marine qui est complètement intégrée aux éléments de l'OTAN. Et c'est vrai dans les autres domaines, que ce soit le cyber, l'espace, où on travaille en interallié, évidemment. C'est le mode normal du fonctionnement. Oui, c'est en cela que les opérations extérieures ont été quand même porteuses d'expérience. Deux axes, c'est absolument essentiel pour l'interopérabilité. Interarmes. Être capable de discuter entre nous. Être capable de discuter entre nous au sein de l'armée française, déjà, j'allais dire terre, air, mer. Mais ça, on y arrive. Mais être capable de discuter avec nos partenaires, ce n'est pas quelque chose de simple. Et être capable d'agréger nos partenaires, ce qu'on appelle le fameux concept de la nation cadre, c'est ce qu'on fait en Roumanie aujourd'hui. On vient travailler avec les autres, ils viennent travailler avec nous parce qu'ils savent ce qu'on a pu faire au Sahel, travailler ensemble, on sait leur donner une place, on sait les faire agir dans le même sens que nous. Et donc tout ça, c'est véritablement important. Et c'est un peu notre axe européen. Il y a l'OTAN, effectivement, pour la défense collective, et l'axe européen où on est capable d'agréger finalement des partenaires, j'allais dire, like-minded, qui pensent comme nous, qui ont les mêmes problématiques et avec qui on peut travailler tranquillement derrière. Donc on fait preuve, entre guillemets, de pragmatisme. On adapte notre manière de faire à l'environnement dans lequel on est aujourd'hui. Alors, juste pour conclure, parce que j'arrive au terme de mon temps... la guerre, c'est pas qu'une affaire de stock, même si c'est extrêmement important. Donc ça, il faudra qu'on remonte vite. C'est pas l'affaire que d'une seule armée, c'est pas l'affaire que d'une seule nation, d'un seul ministère, d'un seul État. C'est clairement une affaire collective. Et donc, à chaque fois que l'on fait face à ce genre de conflit, Dieu merci, pas souvent dans le cas de l'Ukraine, la vraie question, c'est avec qui ? Avec qui je vais m'engager ? Comment je vais m'engager ? C'est évidemment en interarmée, c'est évidemment en interministériel. On a besoin du soutien des autres ministères. Le ministère des armées en soi n'est qu'un des ministères. C'est en interallié, bien sûr. C'est avec des partenaires stratégiques et on développe des partenariats stratégiques au fur et à mesure du temps pour améliorer notre connaissance de l'autre de façon à travailler plus vite, ce qu'on appelle le plug and fight, être capable de tout de suite s'agréger et d'aller au combat ensemble. Et c'est évidemment le public et le privé. Et donc là, on a besoin... Évidemment, on a besoin des entreprises. Et donc, ça se fera avec les entreprises. Et ça, faut pas en douter. Évidemment, on a besoin de vous. Aujourd'hui, pour quand vous voyez tout ce qu'on cède à l'Ukraine, évidemment, pour remonter les stocks. Mais si jamais on devait aller plus loin, comment on organise l'ensemble de la chose ? J'allais dire qu'on a joué l'état tampon. J'ai pour coutume de dire que les armées, c'est comme un airbag. On absorbe le premier choc, mais derrière, au-delà du premier choc, il faut que la nation se réorganise de manière à pouvoir durer dans le temps. Et ça, c'est absolument essentiel. Et donc là, on a fait jouer l'airbag,
Alléluia. Maintenant, j'ai envie de dire, la main est à vous pour aider à soutenir également l'Ukraine, mais quasiment en direct derrière. Et là voilà. Aussi, la cohésion nationale est nécessaire, on l'abordera évidemment tout à l'heure. C'est absolument essentiel. Cohésion nationale. Et puis, on a entendu le président de la République dire qu'il fallait envisager l'économie de guerre. Alors évidemment, c'est à nous, chefs militaires, de concrétiser tout ça, mais c'est aussi à vous d'incarner la résolution du président derrière et à nous de travailler ensemble pour trouver les solutions. Merci beaucoup, Amiral. C'était passionnant. Merci encore. Et vous avez été parfait. Une courte pause pour changer le mobilier sur scène et puis nous allons aborder dans le détail les nouveaux terrains de confrontation.